Ça fait un moment donc qu'on ponce ce jeu. Il n'y a pas d'autre mot en fait. Ah, cinématique dès le départ. Salut Cowboy. Tu ne vois pas où Mute a pu aller? Non, Maître Cid a dit qu'il ne quittait jamais le palais. Où peut-il bien être? Peut-être que Ritz le sait, ou bien Shara. Elles sont trop préoccupées par la guerre des clans. Dommage, on n'a plus qu'à attendre alors. Ah, il y a Trévis qui arrive. Clyde. Alors, Clyde. Fut Trévis. J'ai un message du juge suprême pour vous. Un message de Cid? Il a trouvé Mute. Oh bah ça, oh. La reine et le prince se trouvent à Amberwall. Le maître Cid veut que vous le rejoigniez dans la plaine d'Eti. La plaine d'Eti? Maître Cid est là-bas? Oh, tout à fait. Très bien, je pars tout de suite. Amberwall, on l'a aussi appelé la vallée royale. Tu connais cet endroit, Donald? Oh bah ça alors, pourtant t'es pas un roi. Ah, c'est la plus belle région du Valis, paraît-il. Le roi y avait sa résidence d'été. La vallée royale. Tu ferais mieux de partir. Le juge suprême t'attend. Fais attention. Hein. Salut Cowboy, comment tu vas? J'ai presque fait un accent suisse. Salut Cowboy, comment tu vas? Eh, vas-y mollo sur la frime. Ok, ok, je vais juste regarder un peu, parce qu'en fait, comme j'ai changé de micro, voir si ça rend mieux ou pas le micro comme ça. Non, t'as rien raté, pour aller voir tout, t'étais là dès le début. Enfin, ça dépend, hier t'as rien raté de ce stream, t'es là depuis le début, mais hier aussi on a été au palais. Ah bah écoutez, il y a les replays, mais en gros, on a été au palais, on a réussi à battre... abattre les gardes qui voulaient nous arrêter, et il y a eu une contre-attaque de Liénar qui est en fait Mute, une sorte de divinité de Mute, une sorte de... C'est sa haine et sa rancœur qui a pris forme. Donc Liénar, c'est Mute. C'est beaucoup mieux, je suis content, d'accord, c'est un meilleur micro. C'est un meilleur nom, pas vraiment, c'est juste que c'est un micro de chant, donc c'est mieux. Ok. Cool, cool, cool. Ok. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? On va aller donc à la plaine d'Eti, puisque c'est ici qu'on doit aller. On monte. On monte. Il y en a qui bougeaient pas, ouais. Hop, on va s'arrêter là tranquillement. Épée large, limité, sabre, débusqué. Alors, hier, non, je n'ai pas donné la friandise à Orphée, ce qui fait que si on en donne deux aujourd'hui, il y en a une qui sera de toi obligatoirement. Sabre, débusqué, état. Oui, bah allons-y. En garde. D'accord, il y a même plus de... C'est juste, il y a des monstres et... Ah, on se fait attaquer. D'accord. Rambarde va se mettre ici. Tony va se mettre en arrière. Mont Blanc en avant. Clyde doit participer au combat mais ne peut pas bouger. Trévis ici et Vianna ici. On peut pas plus. Sabre débusqué, état. État. Altération des états, d'abord. On n'altère pas les états. Ah, faut que je me dépêche. Faut qu'on passe.
Via ma action attaque, d'ici je ne peux pas faire grand chose, il faut que j'avance un minimum. Action attaque. Paraflèche. Ok. 60% de chance de faire 32 dégâts. Raté, dans le mur. En tout cas, merci à vous deux d'être présents dès le départ, quoi. Dès que je lance le live, ça, c'est cool. Lui, il peut faire quoi déjà? Action, attaque. Attaque que sur le côté, voler que sur le côté, magie blanche, ok. Bouger. On va se mettre là. Et on va faire magie blanche, soin. Quant à Trévis, il va avancer. Petit moine, flux ciel sur lui. 40% de chance de faire 55 de dégâts. Raté. Merde. Tony s'avance. Action. Magie blanche. Alors, Auréal, c'est bon. 40% de chance de faire 55 de dégâts, on va peut-être toucher un moment ou un autre, ça serait bien. Putain, non. Hop. Action. Galanterie. 6 des lames. Dégâts sacrés. Pourquoi j'ai galanterie? Ah, il faudrait que je passe. Ok. Action. Magie noire. Le brasier sur lui. 40% de chance de faire 59 de dégâts. Voilà. Et pourquoi j'ai gagné un judge point? En fait, on va être très emmerdé parce que on est collé contre le mur. C'est clairement une embuscade. Ils arrivent à la suite comme ça. Action, attaque. 349. Paraflèche, je pourrais rien faire. On va la mettre en arrière. Réduit HP de moitié. Demi. Non, cyclone. Ok. Attaque. Action, magie blanche, soin max sur tout cela. On va redonner la vie. On va mettre en arrière. Ça claille pour prendre sa place. Elle avance. Chaos obscur, 100% de dégâts. Hadès. D'où elle connaît Hadès? C'est une araignée. Elle connaît Hadès directement. 100% de chance de toucher. Ok. Bah non, en fait, on va pas laisser faire ça, si ça vous dérange pas. Action, attaque,
Combien je peux enlever? 91. On va te mettre là, toi. Action. Attaque. 40% de chance de faire 44. Et si je fais une technique moine fluciel, 40% de chance de faire 55 de dégâts. Ouais. Tu me diras. J'aurais peut-être dû attaquer avant de bouger. Ouais. Action, magie noire, brasier. Non, pas brasier. Foudre. Sur les deux. Déjà 126 sur l'autre. Action, attaque. 70% de chance de faire 178 de points de vie. 174, déjà ça fait mieux. Ça fait un peu plus mal. Là, il est pété maintenant qu'on lui a donné une bonne épée et une bonne compétence. Action, attaque. Paraflèche tout le temps. Paraflèche. Comment ça se fait que notre équipe a été aussi loin alors que on rate tous nos jets? Réduit HP de moitié. Cyclone. Ok, raté. Ah, il s'enfuit, le con. C'est pas grave. Ne t'inquiète pas. Je vais. Vous êtes toujours dans une bonne zone pour mes magiciens. Action. Magie blanche, vie. Ok, c'est pas grave. Action, magie noire, foudre. Je fais quoi? On va faire brasier. Ouais. Action, attaque. Lui, la paraflèche, elle non. Et lui, la paraflèche. La paraflèche, ok. Allez! Voilà. Action, attaque sur le côté. 80% de chance de faire 47 de dégâts. Je suis sûr qu'il y a moyen de faire plus. 47, 59 de dégâts. 80% de chance. Zou. Action, on va faire un combo. Thank you.
Action magie blanche, soin max sur tout le monde. Moi compris. Tagada, soin max. Que je trouve un moyen de... Ouais. Encore cyclone, ok. Hey, salut connard. Baby. Salut à toi, qui est-ce qui y est arrivé? J'ai pas vu. C'est pas marqué. Pourquoi c'est pas marqué dans mon truc? Ah, c'est Gaxun. Salut Gaxun, comment tu vas? Magie blanche, soin max. Non mais normalement c'est marqué dans le chat, telle personne a utilisé le panel audio. Et là ça n'a pas été marqué, étrangement. Bah oui, je vois ça. Oui, je peux le tirer dessus, oui. 70% de chance de toucher. Non. On va se mettre un petit peu en arrière. Hop. Action. Magie noire. Foudre. On touche les 4. Allez, on y va. Ok, on a touché deux personnes, c'est déjà bien. Action, Technic One, flux ciel. Je peux pas. Ciel. 220. Il fait trite. Par contre, c'est très bien, mais je ne peux pas attaquer avec Clyde parce qu'il y a ça et personne ne vient ici. C'est très chiant. Galanterie, 6 des lames. Je ne peux pas. Objet, rien. Attaque, rien. Ah, je suis bien là. Action, magie noire, fouille. Voilà, déjà un mort, je vais peut-être pouvoir passer. On s'en tire bien quand même pour un guet-apens. Ok. On va se mettre là. Action, attaquer. Je ne peux pas. Donc on va viser lui. Je
Action, technique moine, flux ciel. 44. C'est quoi en fait? Il y a quoi comme loi pour que je gagne tout le temps? C'est quoi? C'est... Ah, c'est en gros taper sur les monstres. A chaque fois qu'on tape sur un monstre, on gagne un judge point. C'est bien. C'est quoi qui va avec taper sur les monstres? Carte loi. État, d'accord. Que mort l'autre, ok. Je peux pas la bloquer le passage encore. 11 points de vie. 11 points de vie. Ah. Annule magie. Sound wave. Magie blanche, auréole, on va lui remettre son auréole. Auréole! Action, attaque. Voilà, c'est fait. Du-du-du-du. Bon, plus que les deux, là. Ils peuvent pas faire grand-chose. À part juste attaquer Clyde et son avant, mais c'est tout. Faut que je garde la position parce que sinon ils vont me faire chier. S'il bah, il peut pas avancer, il peut pas faire grand chose à part juste attaquer Clyde, dégâts de foudre, ok. Souffle éclair. Mais par contre, ils ont laissé le passage ouvert. Ok. C'est intéressant. Action. Technique moine. Flux ciel sur lui. Clyde, est-ce qu'il peut avancer? Oui, il peut avancer. Enfin, ça se débloque. Action, attaque, boum. Contre elle, 75% de chance de faire 187 de dégâts. Boum. Raté. Malheureusement. Action, magie noire. Foudre. Sur les deux. Super, c'était utile. Magie blanche, soin. On va se mettre un peu en arrière pour laisser les autres passer. Elle, elle va se mettre à la place de Tony. Hop, action, attaque. Elle a pas la flèche? Non, elle a pas la flèche. Ah, c'est l'autre qui a pris. Parce que j'ai tellement eu mal visé que c'est l'autre qui a pris. Ok. C'est l'elfe de Nalbuck. J'essayerai. Elle lui a crevé l'œil avec une flèche. J'ai essayé de viser la jambe.
ça se déplace, ça vient vers nous, ok. Ça va faire mal. Ok, ça a touché que deux personnes sur quatre. C'est pas mal. Action, technique moine, fusil. Ok. Ouais, il va en arrière. Tu survives, Clyde. C'est pas le moment de lâcher. Allez, 50% de chance de faire 70 de dégâts. Oui. Action, attaque. 50% de chance de faire 41 de dégâts. Elle a plus qu'un point de vie. À combien de pourcents de chance elle a d'esquiver? Bah elle esquive quand même avec un point de vie. C'est comme ça, c'est la vie. Tu peux si t'as les... Il y en aura deux qui sera donné parce que Cowboy l'avait fait hier et puis il est parti. Donc il n'a pas pu assister. Donc j'ai préféré y penser aujourd'hui. Mais tu peux. On va essayer galanterie, 6 des dames. 230 de dégâts à 85%. À 80%. Boum, ça c'est fait. Action. Magie blanche. Soin max. Tony, magie noire, foudre. Ça serait bien que Tony il tue. 50% de chance de toucher. Vous êtes 5 personnes sur ce stream, merci beaucoup. Putain, on ne touche pas. Action. Technique moine, flux ciel. 50% de chance de toucher pour enlever un dernier point de vie. C'est laborieux. Il n'y a pas d'autre moment. Hop, je bloque le passage normalement. Non, elle peut marcher. Ouais. On va voir entre nous deux. Réduit HP de moitié. Attaque. Allez putain, 88% de chance de toucher. C'est Travis qui prend la flèche. J'essayais de tirer dans la jambe. Mais elle gagne un niveau quand même, grâce à Travis. Action, magie noire, foudre. Action, magie noire, foudre. Allez, 88% de chance de toucher. Voilà. Putain. Maintenant, comment trouver Sid? Mission accomplie. Tu as fait vite. Ah, je suis tellement pressé de discuter avec Mute. Tu les as vus? Non, pas encore. Je dois faire une petite chose avant. C'est pour ça que je suis venu ici. Tu pourrais me rendre service, Clyde? Bien sûr, bah lequel? J'ai besoin d'ambre. Tu peux aller en chercher dans la gorge de Sienna. Ah, de l'ambre? C'est pour une requête de ton ami Ezel. Il en a besoin pour créer une puissante anti-loi. Une anti-loi? Oh, mais c'est toi qui vas l'utiliser. Elle sera sans doute utile à Amberville. Amberville. Ah, c'est une bonne idée, ça. Un juge avec une anti-loi. Je suis prêt à en assumer les conséquences.
très bien, bon bah alors je m'occupe de l'ambre. On se retrouvera là-bas un peu plus tard. Au revoir, Clyde. Je pars avec mon chocobo. Ah bah ça alors. Apparemment, il se dirige vers la gorge de Sina. Qu'est-ce qu'on fait, Ritz? On le suit? Mais... Une harpe sans, une lance de Cain sacrée et ciblée. Ok. Et ben. Pouf! A priori, il y a un trésor ici. Chocolégumes. Ok. Qu'est-ce qu'on a trouvé? En fait, pour être intéressant. La harpe, c'est pour les dresseurs et les hockey. Et la crosse, auréole, c'est pour les mages blancs. Vol de Juice Point. Ah, ça peut être intéressant. Faut que je le donne à notre voleur. J'ai plus de voleurs. Ça, ils sont ici. Si. Ça, c'est quoi? Merde. Vol accessoire. Non, on va mettre vol de Juice Point, ça peut être bien. Ok. Cross joie pour Tommy. Match blanc. Est-ce que j'ai un autre match blanc? Elle était match blanc. Merde, qu'est-ce que j'ai retiré? Combo archer. Elle a le combo archer. Non, elle l'a pas encore. Faut que je lui laisse. C'est important le combo archer. Ok. Oui, j'ai un chocolégume. Alors, à quoi ça sert? À quoi sert le chocolégume? Non. Objet reçu. Chocolégume. Nourriture préférée des chocobos. Si je viens ici, magie de couleur, ça va faire chier. Chasse au César. Pas de l'éther. Hop, on va sauvegarder, c'est important. Melon plume. Voler projectile et pédale. Fallait bien que je me batte contre elle, j'imagine. Mais il y a projectile, donc c'est cool. Il faut juste pas que je prenne d'archer. C'est bizarre. Quoi donc? Clyde se faisait souvent maltraiter avant. Mais aujourd'hui, moi qui le protégeais, je deviens son ennemi. Mais plus personne n'ose le tyranniser désormais. C'est vrai. Ritz. J'espérais qu'on n'aurait pas à faire ça! Oui, parce qu'elle est loin. Elle est en hauteur. Ritz, je... C'est inutile de discuter, Clyde. Je te laisserai pas aller plus loin. On va devoir se battre. Ma décision est prise. Ah, malheureusement, c'est aussi mon sentiment, Ritz. Je dois voir mieux et rien ne m'arrêtera.
Donc volet interdit, projectile interdit, instrument interdit. Donc volet interdit, il faut juste que je me souvienne. On va prendre All-In, ça fait longtemps. On va prendre plusieurs sorciers comme ça. On y va, chat! Vaincre le boss. Donc c'est Riz qu'il faut vaincre, avant tout. Ok. Riz, inutile d'aller contre ta volonté. On peut l'affronter sans toi, tu sais. Non, ça va aller, je sais ce que je fais. Ok, si tu es sûr de toi, je voulais pas te vexer, Ritz. Hey, salut, connard. Hey, salut, c'est Vlad, c'est ça. Pourquoi c'est plus marqué dans le chat? Pourquoi ça ne se marque plus? Oh, je suis fort déçu, pourquoi ça ne s'affiche plus dans le chat? Avant ça s'affichait, maintenant ça s'affiche plus. Qu'est-ce qui se passe? Salut, Vlad. Comment tu vas? Si tu viens. Riz va se battre contre Martinez. Quoi? C'est Rambarde. On va le mettre ici. Ouais, j'envoie le bout, j'arrive à la fin. Je dois me battre contre Riz. J'imagine que j'arrive à la fin. Hop. Action, magie blanche, auréole. Sur Clyde, ça peut être intéressant. On met toutes nos chances de nos côtés, hein. Alors, tu as toujours dit vouloir rester dans ce royaume, mais tu sais que le retour dans le monde est dans le monde réel est inévitable. Peut-être, mais les jeux les jeux les plus longs ont une fin. Ça fait partie du plaisir de jouer et arriver à la fin. Même si on voudrait que ça dure un peu plus longtemps. Je te comprends, Ritz. Même si je connais la fin, je refuse d'attendre passivement. Je n'ai pas ces références, qu'est-ce qui se passe? Le monde réel va certainement revenir, mais au moins, j'aurais fait tout mon possible pour que cela n'arrive pas. D'accord. Je sais que c'est vain, mais je veux qu'on me casse la gueule. D'accord. Eh ben, allons-y. Je mets un hôtel rue de la paix, les gars. Ok. Qu'est-ce qui se passe dans le chat? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas du tout. A plus, Forever, peut-être à tout à l'heure. Oh, d'accord. Excusez-moi, moi j'en sais rien. Je suis pas hôtelier. Et j'imagine que c'est à Paris en plus. Le Martinez à Cannes, oui. Alors par contre, le Martinez à Cannes, ça me parle. On le voit dans la Cité de la Peur, d'ailleurs. On voit cet hôtel. On va pas faire trop le con. On va se mettre ici.
embrouille. Ok. Je cherche les embrouilles, moi, les chaos. Ouais, bah oui. Putain, elle fait sorcellerie, mais j'ai rétro-magie, donc normalement, c'est bon, ça passe. J'ai pas trop à m'inquiéter pour lui. Hop, raté. Hop, il renvoie. Ok, mais il renvoie. Action Technic One, fusiel contre elle. Ça touche. Ok. On se met devant elle. Hop. Action Galanterie, si des lames. Si ça touche, ça met fin au combat. 276 de dégâts, s'il vous plaît. Voilà. Fin du jeu. Auréole, c'est surtout pour protéger ton mage blanc qui possède vie. Ouais, j'avoue. Ritz. Tu es nul. Je crois qu'on a trouvé la meilleure arme. Si je te demande de te joindre à nous, tu refuseras ? On te laisse passer, c'est tout. Mon opinion n'a pas changé, tu sais. J'ai compris. À plus tard, s'il m'attend. Dis, tu ne me parleras plus jamais si je rétablis le monde réel ? Bien sûr que si. Je comprends tes motivations. C'est juste que j'aimerais tant rester ici. D'accord. Un peu bizarre, mais d'accord. Il va réussir, ce con. Tu crois ? L'ancien Clyde aurait échoué, mais pas lui. Il a tellement changé. Moi, je me suis pris un coup d'épée. Il m'a killed one shot. Alors que moi, pourquoi suis-je resté la même ? Viens, le monde rêvé n'a pas encore disparu. Oui, profitons-en. On va dans un bar. On va se foutre mal. Ouais ! L'Outsider, l'âme Vénus, poison aptitude. Olint, t'as pris foudre plus ? Ok. Je change ça pour Olint. Il a pas fait grand chose en vrai, Olint, mais il a appris quelque chose. Donc pourquoi pas. Aptitude. Il a enfilé des saucisses ! Oh, il y a un truc, Amberval ? Qu'est-ce qui se passait ? Il y avait rien ici, on est d'accord ? Il y avait rien ici avant. Système, sauvegarder. Ok. Donc on a dit que Olint a pris foudre plus. Donc autant lui apprendre autre chose. On va lui apprendre une attaque forte. X. La loi, c'est comme les saucisses, faut pas être là quand elles se font. Ok. Ou un truc du genre. A priori, un trésor ici. Un défigeur, waouh. Lame invocation, un, deux. Sacré, ça fait chier ça. J'ai une carte contre sacré. Oui, il y a un bar à muscadet.
Il y a un bar à Muscadet, ouais. Donc ça ferait combien? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 5. 1, 2, 4. Et donc si je viens ici, on est sur unité sabre débusqué. Ok. Ok. C'est parti. On va en burdel. Voulez-vous sauvegarder? Le jeu te demande si tu veux sauvegarder. Donc clairement, je pense qu'on est à la fin du truc. Dans ces cas-là, si vous voulez bien, je me permets de faire une petite notif aux gens qui suivaient. Le jeu vient de nous demander de sauvegarder. Avant la mission, c'est sûrement la, fin. Tenez. Et puis juste avant, Gaxun vient de récupérer l'heure de la pub, donc je suis désolé, mais on va faire une toute petite pause, une pause de 3 minutes pour faire une petite pub. À tout de suite.